Bonjour à tous, voici le bulletin de ce mercredi 26 septembre en début de matinée. Une journée plutôt assez maussade en perspective sur la plupart des régions, avec beaucoup de pluie sur un axe allant du sud-ouest jusqu'au nord-est en passant par le massif central, avec de forts cumuls de précipitations, parfois proches des 80 mm, donc prudence. Et puis par la suite, on devrait retrouver des conditions nettement plus favorables avec le retour des conditions anticycloniques. Certes, les côtes de la Manche resteront à l'écart de ce soleil, vous le verrez à la fin de ce bulletin. Alors pour ce matin, nous retrouverons donc cette dégradation sur les régions allant du sud-ouest jusqu'au nord-est en passant par le massif central. En revanche, sur les régions du nord-ouest mais aussi sur l'extrême sud-est et la Corse, une petite amélioration se mettra en place avec le retour de quelques éclaircies. Les températures minimales seront déjà comprises entre 9 et 12 degrés sur la moitié nord, 8 à 17 sur les régions du sud. On ira jusqu'à 17 par exemple pour Montpellier et Marseille. Dans l'après-midi, pas de changement, si ce n'est qu'on gardera quelques éclaircies sur les côtes de la Manche ainsi que sur la Corse. En revanche, sur les autres régions, c'est vraiment la pluie qui devrait l'emporter, avec même de forts cumuls de précipitations en perspective, notamment sur la région lyonnaise. Et puis toujours ce vent assez sensible de secteur sud-ouest avec des rafales autour de 50 voire 60 km par heure. Les températures maximales, elles sont dignes d'un mois de septembre avec 11 degrés sur Reims, 18 sur Paris, 17 sur Cherbourg, 19 sur Biarritz, et puis on ira autour de 21 sur le pourtour méditerranéen. Alors pour la tendance, nous garderons donc, mis à part samedi où on attend pas mal de précipitations, les autres jours on devrait retrouver des conditions nettement plus favorables avec le retour d'un temps beaucoup plus ensoleillé, excepté sur les côtes de la Manche où quelques averses résiduelles devraient encore l'emporter en raison de cet anticyclone qui aura beaucoup de mal à se reconstituer, notamment sur la moitié nord. Et puis les températures, elles resteront plutôt conformes pour un mois de septembre. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 26 septembre. Si vous désirez plus de détails pour votre commune, vous avez plusieurs solutions. Consultez nos répondeurs, notre site internet. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook Agathadim. Passez une excellente journée et à ce soir.